Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la période sur l'épisode de Robocraft, chers amis. Donc on repart, hein. J'ai finalement décidé de continuer le tournage, simplement. On part avec celui-ci. Pourquoi on part avec celui-ci? Parce que certains d'entre vous m'ont dit que c'était la bête à 9 queues ou je sais trop quoi. Mais non, il y en a que 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y va, c'est parti. On part en Battle Arena vu que ça rapporte une grosse quantité de crédit, on va dire. 1,5 million, c'est toujours sympa. Et ensuite, on verra. Alors, la game est bien ou pas? Est-ce qu'elle vient la game? Est-ce qu'elle vient la game? Bon bah, ellipse, hein. Re, chers amis, excusez-moi, j'ai eu du mal à relancer le tournage. Bon, c'est pas grave. Hop. Allons-y. On va essayer d'aller se poster quelque part où on peut shooter un maximum d'aérien et continuer à avancer pour essayer justement avec nos tourelles de prendre d'autres tours. Ça va être l'objectif de ce robot entre guillemets. L'avantage c'est qu'il peut se mettre au milieu du terrain au niveau derrière les barrières. Gage. Your fusion shield is now active. Ok. Your team has captured the top fusion tower. Oh, est-ce que je peux tirer sur... Clock cycle booster activated. C'est quoi ce truc de sérieux? Comment il m'a fait autant de dégâts? Ah non, il doit y avoir son pote qui m'a tiré dessus. Ok. J'essaie d'organiser mes mouvements. Oh! Ok. Oh, le petit lag à la con qui me fait regretter. D'accord, il couvre le heal derrière lui. Oh, et ça va passer. Ils sont juste à deux doigts de notre tour, mais ça va passer quoi. Oh la gueule. Ah, ils m'ont eu, fais chier. J'ai cru que j'étais mort avant, à vrai dire. Alors. On y retourne. Alors quand le point rouge est sur mon adversaire, j'aimerais que ça touche, s'il vous plaît. Oh la gueule. Hey ! Qu'est-ce qui m'empêche de tirer sur le mec ? Mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui m'empêche de tirer dessus ? Ça c'est un allié. Avec un choix de couleur des plus pertinents. Voilà. Ah, est-ce qu'il me reste des canons de snipe? Oui, mais apparemment ça ne voulait pas tirer non plus. Allez, tire! Voilà, parfait. Je sais pas ce qu'il y a avec ce snipe, mais normalement lui qui était si efficace, j'ai l'impression qu'il avait perdu en efficacité. Mais putain, mais tire là où je vise! C'est quoi ce bordel? Regardez ça! C'est quoi ce bordel? Qu'on m'explique! Il y a le point rouge!
Je comprends pas. Pourquoi? Hop, dégage. Il y a le point rouge, hein. Peut-être qu'il faut que je fasse une légère latence, peut-être. Entre chaque tir. Hop. Hop, ça c'est fait. Ah, ils ont peut-être changé quelque chose intentionnellement à la précision des snipes, hein, mais... Merci. Oh là, je reçois des messages. Oh, le petit lag. Donc l'autre avec son heal, il me saoule. C'est-à-dire culbuter par son heal, là, c'est saoulant. Hop. Allez, encore un tir. Voilà. Oh. Si ça me tue, j'ai la haine. Ils sont combien là? Ah oui, ils sont nombreux. Dégage, laisse, permets-moi de reculer. Excuse-moi, c'est ma faute, my bad. Il repop vite celui-là, dis donc, ouais. Il doit pas être très efficace au combat alors. Quoi? Il manque pas un bruit là. Merci pour le heal. Oh! Oh, les lance-roquettes qui touchent pas, les missiles qui touchent pas, pardon. You have captured the enemy's middle fusion tower. Your enemy's fusion shield has been deactivated. Your top fusion tower is under attack. Oh, je touche pas à la fin, je le finis pas. Cette haine. Si on les prend sur plusieurs fronts, ça devrait passer. Sinon, les ennemis volants vont essayer de décoller au plus vite. Et moi, je serai là pour les attendre. Oh, il reste derrière son bouclier. Merde. Hop, one shot. Alors. Ah, ça me saoule. Il me saoule, ceux-là. Ils sont deux. En train de me demander si je touche, en fait. C'est pas grave, j'aurais fait mon
mon boulot. Mais comme je pouvais pas voir derrière l'ennemi, enfin derrière la montagne, je pouvais pas trop anticiper ce mouvement là. Bon, c'est pas grave. Par contre, t'as rien à faire là. Franchement, t'as rien à faire là du tout. Hein. T'as rien à couvrir. Bon, j'ai rien dit. Apparemment, il y avait des gens. Alors. Il manque de la vitesse à ce robot quand même. Hein. Attendez, si j'arrive à le voir, je peux peut-être le tuer. Donc j'arrive à le voir. Oh, mais de toute façon, il reste planqué dans son. Voilà, il reste là-bas. Quoi ? Je me suis pris un tir ? Mais d'où ? Oh là, la dernière fois qu'il m'a fait ça, il est rentré dans le sol. Ok. Ok. Ah, mais putain. T'as pas faire un robot plat. Oh. Mais quoi, il a déjà régène lui? Alors j'aimerais ne pas avoir à passer dans ce sens là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le buter ce machin là ou pas? Ou je suis tout seul, comme d'hab? Ah merde. Non, continue à me heal, continue à me heal, j'arrive. Deux secondes, continue à me heal, 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 continue à me heal. Derrière toi! Oh non, voilà. Faut faire ça comme ça. Aïe! Allez, tire! Il doit pas me rester beaucoup de canons. Effectivement, il m'en reste pas des masses. Hop! Technique du tourbillol! Oh! Comment t'achèves un mec au sol? Allez, tire! Putain, tire! Oh! Faudrait qu'ils affichent au moins un cooldown de tir pour chaque tourelle sur l'écran, parce que sinon on sait pas quand est-ce qu'on peut tirer. C'est saoulant, franchement c'est saoulant. Par sniper, je veux dire. Il manque tellement de choses à ce jeu, quoi. Oh. Lui, il a le blink, mais je l'ai pas encore vu l'utiliser. Est-ce qu'on peut choper une tour ennemie? Ou est-ce que c'est eux qui vont choper la nôtre d'ici quelques secondes? D'accord, c'est eux qui vont choper la nôtre d'ici quelques secondes. Les tentatives de fait. Oh là là! Et il campe sur les extérieurs, celui-là. Ok. Attendez, parce que si ça vient par devant, moi je préfère pas me les prendre. Raté. Oh, mais le. Hey, les snipes là! Touché, je suis con, j'ai oublié d'anticiper. Ok. Tire dessus! Sur le mec, hein, je voulais dire. Quoi?
Et ouais, 1v1, c'est moi qui gagne. Bien joué. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai eu peur d'être de nouveau coincé, moi. La frayeur. La frayeur. Hop, vous ne passerez pas. Oh, j'aurais juré avoir vu un truc. Cet endroit là c'est un traquenard. Hop, excuse moi je t'empêche de reculer. Cet endroit là c'est... C'est bête hein. T'as à peine repop que t'es mort. Et cet endroit là c'est véritablement un traquenard hein. Alors vaut mieux se mettre par ici chers amis, parce qu'ils vont pop en fait. Ils peuvent pop derrière nous. Ah ah, cette blague. Hop. Hop. Pièce après pièce, on le démonte. Comme des Lego. Voilà. Une victoire. Wouhou! Et nous sommes niveau 15. Génial. Absolument génial. Ouah. Avec 19 000, nous sommes donc deuxième. Et notre heal a fait 12 000 de heal, ce qui est complètement épique. GG à lui. GG à lui. Faut considérer que l'autre qui était en face, qui était derrière le mec tout le temps, là, il a fait que 9 000. Donc dites-vous à quel point il a été efficace. On n'a pas touché le million, c'est dommage. Mais bon, ça fait du bien par où ça passe. Écoutez, je suis content. Je suis content. Ouais, on partira sur celui-là. Je pense qu'on partira dans celui-là bientôt. En train de réfléchir. Je vais regarder un truc. Je sais que je suis censé faire attention entre guillemets à mes dépenses. Ah la vache, écoute, pratiquement 1 million pièces. Ah la vache. Donc j'aurai de quoi me faire une un autre véhicule. Mais bon, je suis censé économiser pour le méga. Donc on va rester là. Eh bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Paix, vous n'apparaissez rien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, tiens, au passage. Commenter au sujet de oui ou non. Est-ce que je dois continuer à économiser uniquement pour le méga? Je vous rappelle que le méga, pour qu'on l'ait, il va nous falloir à peu près dans les 60 millions de crédits, hein, au total. Nous sommes à peine à 5 millions. Il nous arrive de faire des parties à 1,5 million. Ça coûte extrêmement cher. Et je pense pas que ça rapporte plus que ça, soyons honnêtes. Donc, encore une fois, n'hésitez pas vous à me le dire dans les commentaires. Donc partagez les vidéos et abonnez-vous, ce sont d'excellents moyens que vous avez pour vous faire connaître les amis. Et je vous en remercie. Encore une fois, merci à vous pour votre sympathie et votre fidélité à la chaîne entre guillemets. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour cette aventure dans Robocraft, chers amis, toujours dans les Robocraft Days.